Salut les Frambis. Yo les Raiders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Raid à l'extérieur cette fois-ci. Contrairement à la dernière vidéo, on était en live quand même. Tout à fait. Donc là aujourd'hui, comme la dernière fois, ça va être des Demeteros parce qu'il est encore là. Oui, c'est le Raid 5 qu'on a en ce moment. Donc on va essayer de choper un 100% en vidéo. Toi, t'en as eu deux, c'est ça? J'en ai eu deux. Ouais, mais c'était pas en vidéo. Non, voilà. C'était pas en vidéo. C'était avant le live et c'était sur les deux premiers jours. Donc voilà. On peut dire que Seb est tranquille. Donc les amis, on est dans un raid actuellement. On se retrouve juste au début du fight. Et c'est parti les amis pour le fight. Donc on commence avec une team full mamochon. On a invité des potes, on est 4 dans le raid. Mais je pense qu'il passait à 2, c'est ça Seb? Ouais, il passe à 2. Alors, il paraît même qu'il passe à 1. Oh. Quand t'es en full mamochon obscur. D'accord, ah oui, d'accord. Okay. Donc full mamochon obscur, tu le pognes à 1. Et il faut encore tomber sur un... Tu sais, sur l'event Team Rocket et pouvoir enlever l'attaque frustration. Ouais. C'est ça le plus relou en fait. Il y a ça et aussi il faut que tu sois en boosté météo neige. D'accord. Pour que les attaques glaces soient plus puissantes. Avec le soleil qu'il y a là, la neige, je pense pas qu'on va l'avoir. On sait jamais. On est encore en avril et comme le dicton le dit ou le proverbe, en avril ne te découvre pas d'un fil. Et en mai, fais ce qu'il te plaît. Exact. Et les amis, j'ai perdu quand même une team de Mamochon. Donc il prend cher mais il fait un peu mal quand même. Il nous restait 155 secondes à 4. Ça va. C'est pas mal. Ça va. Et en fait, selon l'attaque qu'il a, le Demeteros, eh ben le Mamochon il va prendre plus ou moins cher. Mm. Donc là il avait une attaque qui lui faisait mal en fait. C'est ça, on se limite one shot. Du coup, le 100% Seb 28-01. En boosté. En boosté. Donc là il est boosté. Et le non boosté, 21-22. 22-41 les amis. T'as vu la guêpe là, tu vois, ça te rappelle des mauvais souvenirs. Elle était énorme les amis. Quand on était au Tuileries avant, il y avait trop de guêpes, c'était relou. Ah ouais, non, mais là... Et là, il a vu ça, mais... Eh, vous allez voir, arrêt sur image. Bon, t'es prêt? Ouais, allez. 3, 2, 1, go. Allez, 28-01. 28-01. 27-55. 27-37. Oh dégueulasse. Là. Nul, vraiment nul. Bon, c'est parti. On essaie d'attraper et on va se retrouver pour un prochain raid, les amis. À tout. Les raiders, c'est parti pour un deuxième raid. Donc là, on est 4. Tout à l'heure, on était 4 aussi, je crois. Ouais, on était 4 tout à l'heure aussi. Ouais. On va voir si on fait aussi vite que tout à l'heure. Il restait 155 secondes. À peu près, ouais. Ah, mais mec, il tape aussi fort que tout à l'heure. Ouais, il a la même attaque que tout à l'heure, en fait. Il l'a one shot. On va voir c'est quoi cette attaque. Allez, faites une attaque chargée, là, qu'on puisse l'avoir. Voilà, c'est ça, c'est séisme. Donc c'est une attaque sol. Là, j'ai surveillé, vous avez vu, les amis, j'ai fait une petite esquive. Du coup, il a pas one shot. Là, il a pas one shot. Non. Cette histoire va nous coûter cher, on rappelle seulement. Mais bon, c'est pas grave, ça tombe bien, on en a plein. Seb, je voulais te poser une question. Celui-ci, on avait dit la dernière fois qu'il était intéressant, c'est ça? Ouais, celui-ci, il est vraiment pas mal. Je crois que c'est le plus puissant des trois. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres formes qui vont sortir de lui ou c'est la dernière? Alors, il n'y a que deux formes. Mm-hmm. Mais après le 27 avril, en fait, on a le retour des trois formes avatar en même temps. D'accord. D'après ce que j'ai compris. Shiny ou pas? Shiny possible. Oh, trop bien! Donc il y aura les trois formes, il y aura Fulguris, Demeteros et Boreas en même temps. Donc la forme génie, hein, vous la connaissez, est donc disponible en Shiny. Donc normalement, les trois à partir du 27 avril, le 28. Mais c'est pas celui qui était déjà disponible en Shiny avant? Si, si. Ah d'accord, donc il n'y a pas de nouveauté en fait en termes de Shiny? C'est pas une nouveauté. Ok, j'avais mal compris. C'est un peu un réchauffé, on va dire. Hein. Donc, Ah ouais, bah non alors, nul. Faut ce jour. Allez les amis, on va voir si on a un bon. Prêt? Ouais, je suis prêt. 3, 2, 1, go! 28-01. 27-39. 27-72. Vraiment nul les amis. On continue, on lâche pas l'affaire. Il y en a d'autres à côté. On va le capturer et on se retrouve juste après. Les amis, le troisième raid. Là, du coup, les amis, on n'est que deux. On va voir combien de temps on va mettre et on se dit à la fin du fight.
les raideurs. Donc vous l'avez vu, le temps qui restait avant... Ouais, je dirais 51, 52, peut-être 50, voilà. Il y a beaucoup de soleil comme vous le voyez, du coup mon écran, je le vois pas bien, mais vous le voyez très bien nos écrans. Du coup Seb, on va voir si on a le 28-01. Allez. T'es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, go! 27-61. 27-22. Oh là là! Ça continue la loose, ça continue. Allez, on l'attrape et on se retrouve juste après les amis. Les raiders, donc on arrive peut-être au dernier raid. Là, on lui laisse encore une chance à ce Demeteros pour essayer de choper peut-être un bon. Ouais. Franchement, j'ai pas de 98 ou de 96, je pense. Hein. Bah, franchement, j'espère que tu vas en avoir un au moins. Ouais, il part quand, on a dit? Le 27. Donc. 27 parce que le 28, il y a les trois formes. Ouais. Okay. Donc il reste quelques jours. Je sais même pas on est quel jour. Toi, on est le 26. Non. On est le 23. Ah ouais? On est le 23, les amis. Ouais, je suis en congé actuellement et du coup, je suis déboussolé. Ramadan et tout, laisse tomber. Encore pire. En plus, là, aujourd'hui, on est sous le soleil. Ouais. Il fait pas chaud, mais il fait pas froid non plus, tu vois. Ouais. Mais bon, j'imagine. Non, mais Givrali, quand même, il prend cher, hein. Regarde. Ouais, c'est une petite bête. À peine il est arrivé, il fait mal, il est rapide, mais il prend super cher. C'est une petite bête. C'est une petite souris. Mais les mamochons, ils sont balèzes. Les mamochons, ils sont là, ils sont stack. Et voilà, les amis, il est tombé. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, go. Allez, 28, 27. 27, 86. 29, 27, 29. Je pense que j'ai un 96%, j'en suis pas sûr. Ah. T'en suis pas sûr. D'ailleurs, j'avais une petite question. Oui. On n'a pas fait de minute chromatique pendant le live. Non, on a parlé juste de quelques chromatiques qu'on a eu juste avant. Ouais. Mais on pourrait faire une minute chromatique dans cette vidéo-là. Nice. Bah écoutez, les amis, juste après la capture, on vous fait la minute chromatique. C'est parti. Les amis, donc on se retrouve pour la minute chromatique. On s'était arrêté au Vipélière. Donc là, je commence. Ouais, vas-y, commence. Allez, j'ai eu un Nidoran. Et moi, un Monsieur Mime. Waouh. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu un Grenupio. Grenupio, Nidoran. Ouais, femelle. Femelle, rose. Ouais, cool. J'ai eu un Snubble. Attention, là, ça va être mon troisième et dernier Shiny. Et celui-ci, je ne l'avais pas. Prêt? Vas-y. Go! Mangrove! Oh, bleu. Cool! Celui-là, il est rare, non? Ouais. Chaque fois, je les clique, jamais il est bleu. Là, il était bleu. Moi, je l'avais eu, tu sais, au Community Day quand on était à Lyon. Ah oui, je me rappelle. On était dans un truc où il y avait un casino au fond, un cinéma, etc. Ouais. Un petit truc un peu stylé et tout. Exactement, je me rappelle. C'était il y a longtemps, hein, déjà. Bah ouais, c'était il y a un moment. Hein. Franchement, on vous met la vidéo de Lyon, les amis. Elle était bien, cette vidéo. Il y avait un 100% shiny, quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai eu un autre shiny. Grenupio, encore. Oh, GG. Genre comme si j'étais en community des Grenupio, tu vois. Mais un jour, il va sortir en community day, celui-là. Ouais, on l'a déjà fait. Oh, on l'a déjà fait. Ouais. Je me rappelle même pas. Je sais même plus si on l'a fait en vrai. Ouais. Ou si on l'a fait en live. Je crois qu'on l'a fait en live. Je sais même pas si on l'a fait en vidéo. Je crois qu'on l'a fait en live. On l'a fait en vidéo? En live, je crois on l'a fait. Ah ouais. Ah ouais, je me rappelle même pas. Ça date? Ouais, c'était l'année dernière. C'était la première vague peut-être. Ouais, c'était. Je crois que c'était avant Magica pour après Magica. Alors c'est bon, on va vérifier, c'était mai 2020. Ah, ça fait un an. Ouais, ça fait un an. Ça fait un an, les amis. 12 mois. En tout cas, cette journée ensoleillée était bien kiffante, même si on a eu des PZ de merde un peu. Ouais. C'était vraiment nul. Bon, le dernier c'était un 96%. Ouais. Mais pas 15 attaques. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai déjà deux fois 100%, donc ça me dérange pas plus. Ouais. C'était plus pour toi, j'aurais aimé que t'aies au moins 96, 98, quelque chose où tu peux dépenser de la poussière, quoi. Ouais, bah ouais, mais là pour le coup, non. Mais bon, c'est pas grave, il ressortira en shiny de toute façon et c'est là où je vais le tryhard. Ouais. Parce ouais. que j'aime pas trop tryhard les boss quand ils sont pas shiny. Ouais, c'est sûr que maintenant, on sait qu'à chaque fois, il y aura la version shiny qui va revenir. C'est ça, ouais. On sait pas quand. Ok, on pense à Dialga qui est toujours pas revenu. On sait qu'il va revenir, donc
si on ne l'a pas sur la première vague, on a de la chance de l'avoir sur la deuxième vague. Ouais. Et en plus, il peut être shiny. Exactement. Merci de nous avoir suivis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Et la partager. À cliquer sur t'abonner et sur la cloche pour recevoir les notifications de nos futures vidéos. Salut les Frambis. Salut les Raiders.